fête arrive à grands pas. Du coup, je vais vous partager un tuto comment préparer un apéro vraiment très original pour les fêtes qui vont arriver. Alors, restez avec moi et suivez-moi pour voir comment je vais procéder pour réaliser tout ça. Allez, c'est parti mes loulous, let's go! Tout d'abord, je vais prendre une pâte feuilletée que je vais dérouler. Voilà, comme ça. Et maintenant, à l'aide d'une cuillère, je vais découper plusieurs cuillères comme ça avec la pâte. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez là. Et maintenant, une fois que j'ai fini, c'est comme ça. Je mets de côté. Comme ça. Je récupère toutes les cuillères que j'ai prédécoupées. Voilà, vous voyez, j'ai tout enlevé les cuillères et maintenant, sur un rouleau de papier alu, je vais venir les disposer. Comme ça. Voilà, vous voyez, une fois que j'ai bien installé la pâte en forme de cuillère sur le rouleau de papier alu qui est presque terminé, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et maintenant, je vais passer un peu de jaune d'œuf. Voilà, avec mon pinceau, je vais venir badigeonner la pâte pour que ça puisse donner de la couleur. Voilà, une fois maintenant que j'ai fini de badigeonner avec le jaune d'œuf, d'habitude je mets un peu de graines de sarrasin par-dessus. Là, je n'ai pas, j'ai pas de graines. Du coup, vous pouvez le rajouter, c'est facultatif. Voilà, et maintenant je vais enfourner. Voilà, mes loulous, vous voyez les cuillères sorties du four. Vous voyez, ça fait ça, comme ça. Et maintenant, je vais les garnir à l'aide de tartines doux. Je vais mettre sur chaque cuillère une petite noisette. Ça y est, mes loulous, j'ai mis le fromage à tartiner. Et maintenant, je vais rajouter un morceau de saumon fumé enroulé que je vais mettre par-dessus. Je vais l'enrouler. Comme ça. Et ensuite, je le mets dessus. Voilà, vous voyez, j'ai fini de mettre
le saumon et maintenant je vais rajouter juste une petite feuillage pour donner vraiment de la couleur. C'est du persil, hein, du persil plat. Vous pouvez rajouter. Voilà, vous voyez mes loulous. Et maintenant, comme j'ai fini de garnir, les installer. Voilà mes loulous, vous voyez le rendu des petites cuillères en apéro, très facile à réaliser. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui mes loulous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, de partager, de liker et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt mes loulous, bisous.